Bonjour à tous et bienvenue avec ce beau soleil. Bienvenue, on est sur le bord du lac d'Annecy, près de la frontière franco-suisse. Voilà. Cette petite vidéo pour vous annoncer le prochain Peace Evolution, qu'on est heureux de vous présenter là avec cette petite vidéo. C'est un atelier, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Un atelier qui dure 2 heures environ, 2 heures, 2h30 de partage ensemble, où on se retrouve sur la thématique du contrôle. J'abandonne de contrôler ceux qui me contrôlent ou pas. Voilà, une belle thématique qui nous parle peut-être, en tout cas qui nous parle à nous, c'est pour ça qu'on vous la propose. D'être sous contrôle, de vouloir contrôler, que ce soit les comportements, les gens, la pluie et le beau temps parfois même. Jusqu'en arriver à essayer de contrôler les gens qui changent en plus, parce qu'ils ne changent pas comme ça nous arrange. Ouais. Ou alors on essaye de les contrôler parce qu'ils ne sont pas comme on veut, comme on souhaiterait. C'est vraiment intéressant. Hein. C'est un thème qui en fait nous, je dirais, occupe notre temps. Quand on regarde bien, ça occupe l'essentiel de notre temps. On essaye de faire en sorte... Alors quand je dis on essaye, on ne sait pas qui essaye en nous, quelque chose essaye de contrôler, Les événements, contrôler la vie. Et en fait on ne sait pas trop ce que ça veut dire, c'est quelque chose qu'on utilise depuis bien longtemps, mais en fait contrôler quoi? Souvent on entend j'ai peur de perdre le contrôle. C'est ça, ouais. Donc en fait on a besoin de contrôler quoi? D'où ça nous vient ce besoin de contrôler ou de ce refus d'être contrôlé? Ça peut peut-être avoir un impact sur notre santé aujourd'hui, sur notre santé physique, corporelle et psychique, émotionnelle aussi. D'où ça vient en fait ce besoin de contrôler et ce refus d'être contrôlé? On ne sait plus trop vraiment ce que ça recoupe. Hein. C'est devenu comme une seconde peau même, sans en avoir conscience, quoi. Voilà. Si on regarde bien. Alors d'où ça nous vient? D'où ça nous vient, c'est ce qu'on verra ensemble. Il y aura plein de questions qui viendront superposer à cela. Ça nous sert à quoi? Et puis finalement, ça se manifeste comment dans notre quotidien? On veut contrôler quoi en fait, quelque part? Est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on veut contrôler? On ne sait plus trop. On utilise ces termes-là, mais on ne sait plus trop ce que ça signifie. Qu'est-ce que ça signifie dans le langage de la conscience, hein? On envisagera toujours ça avec ce regard de la conscience, non pas avec celui de nos neurones, ni avec celui de notre corps, mais avec l'origine de tout cela, la vie. Et si on regarde ce sujet, qui est un sujet qui en fait occupe notre quotidien en permanence, eh bien, sous l'angle de la conscience, ça nous ramènera peut-être, ça nous révélera peut-être quelque chose, qui a un lien avec la vie dans sa totalité, dans sa globalité. Voilà. Alors, pour la première fois, en fait, on l'abordera d'une façon atypique. À l'atelier, il sera... différent, ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que on va laisser beaucoup plus place à la pratique ces soirs-là. Au lieu de cheminer intellectuellement, on a plein de choses à vous dire, mais est-ce que c'est vraiment l'essentiel? Est-ce que évidemment ce thème et bon nombre d'autres thèmes, mais aussi celui-ci comme il nous occupe beaucoup, est-ce qu'il ne peut pas être abordé sous un angle nouveau qui nous amène à un vertige, quelque chose qui nous amène aux origines de la vie? Donc on va vous proposer ce soir-là, pour la première fois, avec un langage qui n'est pas habituel, qui n'est pas un langage linéaire, qui est un langage plus qu'on peut appeler paradoxal, qui est le langage de la vie, un langage non-duel. On va vous amener peut-être à partager un petit peu la présence de la vie à travers ce thème, qui est un prétexte, comme tous les sujets, pour nous ramener à la présence même de la vie, à l'origine même de la vie. Voilà. Et quand on sera là, peut-être qu'on sera dans des retrouvailles, vous verrez. Peut-être qu'on ne sera pas obligé d'attendre quelques heures avant notre mort pour réaliser l'essentiel. Voilà, on vous donne rendez-vous le combien alors? Alors, c'est le 20 avril à 19h. Sur voilà. Peace Evolution, je vais vous mettre le lien juste en dessous. Donc le 20 avril à 19h, pour la première fois, on abordera un atelier sous un angle totalement nouveau, qui ne sera pas un angle intellectuel. Mais on sera à l'origine de l'intellectuel. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, ça commence à faire tourner un peu la tête. Voilà, on vous embrasse fort. On vous embrasse. Et puis au 20, si j'ai bien compris. Au 20, à 19h, sur peaceevolution.podia. Voilà, il y a encore une dernière image du lac. C'est beau. Attends. Avec nous. Ah, où sans, avec ou sans nous. Où sans nous, voilà. Allez, à très vite. À très vite.